Salut tout le monde, mon nom est Raphaël Louis, le fondateur et chef du Parti de coalition nationale du Canada. C'est toujours un grand plaisir de vous adresser avec un cœur rempli de joie et je vous souhaite de passer une bonne journée et aussi une bonne semaine qui s'en vient. Une des choses, une des questions pertinentes qu'on reçoit le plus souvent concernant notre plateforme politique, c'est pourquoi un nouveau parti, pourquoi un organisme nouveau pour faire la politique au Canada? Eh bien, la réponse est simple. Tenons compte des partis. Regardons les partis maintenant. Ces partis politiques ont été construits ou bâtis ou formés pour fonctionner, ça fait 20, 30 ou 50 ans de ça. Dans ce temps-là, leur plateforme était bien construite pour ce temps, 30, 40, 50 ans de ça. Mais maintenant qu'on est dans un temps plus ou moins moderne, les choses ont changé. Disons comme exemple, vous ne pouvez pas construire une voiture maintenant en 2021. Et en 2050 ou en 2060, vous aimeriez que cette voiture fonctionne de la même façon qu'elle a été construite 30 ou 40 ans de ça. Donc, ça fonctionne pas. Les anciens partis fonctionnent pas. Et surtout, on a vu dans les années précédentes une lutte qui se termine jamais concernant le peuple, les partis qui sont élus, ils essaient toujours de prendre ou de supprimer ou d'opprimer nos droits constitutionnels, nos droits fondamentaux, nos droits constitutionnels. Mais le peuple toujours vigilant, se battre, se manifester pour garder nos droits. Ça ne devrait pas être comme ça. Les partis politiques, les organismes politiques devraient être établis pour sauvegarder nos droits et libertés. Donc, c'est une des choses. Mais si on regarde maintenant comment ça fonctionne, ça ne marche pas du tout parce que les partis, les organismes, ils ne fonctionnent pas dans les intérêts du peuple, du peuple canadien en général. Donc, si vous regardez par exemple votre voisin qui est peut-être conservateur et vous, vous êtes libéral, vous allez peut-être haïr votre voisin qui est conservateur, vu que vous êtes libéral, pensant que votre voisin est votre ennemi. C'est ça une politique de division, de haine contre votre propre frère canadien, votre propre sœur canadienne. Comme on vous dit à l'église, si vous êtes chrétien ou chrétienne, on vous dit à l'église, aimez, il faut aimer aime ton prochain, votre prochain qui vit à côté de vous. Mais dans la pratique, les partis politiques, ils viennent à nous diviser. Ce qui fait qu'en tant que peuple, nous ne pouvons pas réaliser nos potentiels au maximum. Beaucoup de divisions, les programmes, si par exemple les libéraux ou conservateurs, dépendamment quel parti qui est au pouvoir, les programmes qui sont construits, où les programmes qui sont lancés sont seulement pour certains groupes. Par exemple, on a vu une réponse. La réponse à COVID-19 était pas mal segmentée. Ça n'a pas été bâti pour aider tous les Canadiens qui ont été affectés par la pandémie. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le Parti de coalition nationale a été bâti. C'est comme une révolution politique dans le but de mettre sur pied une plateforme qui peut sauvegarder, éveiller et faire avancer l'intérêt de tous les Canadiens. Et ça, ça n'a rien à voir avec votre origine, votre statut social, votre orientation sexuelle, votre genre. Notre plateforme a été construit, bâti pour vos intérêts, l'intérêt de tous les citoyens canadiens, les citoyennes canadiennes. Une des choses qui nous rend uniques sur le terrain,
C'est les principes du bon gouvernement. Nous sommes le premier parti, première organisation politique veillant à établir les principes fondamentaux, les principes de bon gouvernement. Avec les principes de bon gouvernement qui est très moderne, donc on veille à ce que tout le monde on devient fort en tant que nation. Il y a certaines, j'ai entendu des critiques qui disent que, bon, le nationalisme, c'est bon. En tout cas, nous savons que une nation qui a des fondations au niveau national, des principes qui sont basés sur les critères ou principes qui sont basés sur les valeurs de nation, ça nous rend plus forts, plus solides et plus unis en tant que nation. Donc, c'est ça qu'on veut. Au fil des derniers mois, on a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour établir ça pour vous, parce qu'on sait que l'avenir va être différent. Nous ne pouvons pas continuer avec les anciens partis. Donc, on a travaillé bien fort pour établir ça pour vous. Et j'aimerais aussi vous inviter à visitez notre site. Je vais mettre l'information dans les commentaires de ce message ou en bas de ce message. Mais je vous invite à visiter notre site internet qui va vous amener à visiter notre site de médias sociaux. Donc, on a compilé beaucoup de ressources pour vous parce qu'on sait qu'on est un peuple très intelligent. Les Canadiens sont très intelligents. Très, 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 très intelligent, pouvons-nous dire. Bon, on va comprendre. Donc, je voulais aujourd'hui parler brièvement de notre plateforme, et je sais qu'en tant que peuple intelligent, vous comprenez plus. Et ensuite, notre site et nos médias sociaux vous aideront plus à avoir plus d'informations, plus de ressources concernant notre plateforme. Donc, je vous remercie beaucoup et toujours un plaisir de vous adresser. Mon nom, c'est Raphaël Louis, fondateur et chef du Parti de coalition nationale du Canada. Faisons de cette révolution politique une réalité. Merci.